Guess you love this holy box. You hear very well. Can't tell we were friends and even more sometimes. At this hour of the day. Silence respectueux s'installe sur le plateau, tellement c'était bien. Messieurs, c'est fabuleux ce que vous faites. Voilà, je le dis rarement le mot fabuleux en plateau avec un groupe. Alors là, vraiment, je suis impressionné. On avait fait une petite télé, hélas, à l'époque du playback. Et maintenant, on fait du son direct dans Tempo et j'en suis ravi. Alors, Goulvin et non pas Goulven, guitariste, Pierre chanteur, vous avez commencé les trans musicales d'une certaine manière, vous, cette année. C'était juste la soirée avant. C'était avec qui? C'était une soirée parallèle, on peut dire ça comme ça, avec d'autres groupes pop. Qu'est-ce qu'il y avait de Rennes vous, parce que c'était une belle soirée. Il y avait les Married Monk, Emma, puis Lighthouse, bien. Qui faisaient un grand retour sur la scène rennaise, en fait, puisque ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Et puis nous, pour finir. Alors comment ça se passe dans un groupe comme ça, quand on arrive à une telle maturité instrumentale, vocale et de composition? Non mais allons-y des violons, ça va continuer pendant tout l'interview. Ça se passe comment au niveau compo entre vous? C'est le fonctionnement normal d'un groupe de rock. Hein. C'est pas toi qui fais tout? D'habitude, il y a toujours un guitariste qui fait. Non, moi, c'est moi qui fais tout, les autres. Non, moi, je fais rien. Mais c'est le fonctionnement. Les idées viennent de tout le monde. Puis, c'est un groupe, donc on travaille en groupe, de toute façon. Donc,
c'est du travail de composition normal. Ouais. Il y a des idées qui viennent, et puis on enchaîne, et puis magiquement, au bout d'un temps, ouais, magiquement, c'est un morceau. Oui, quand même, il faut bien signaler magiquement. Alors manifestement, Pierre, vous êtes à contre-courant de tout ce qui se passe actuellement. On est très loin de One Eyed Jack, de Love of Aura et de tous ces groupes. Pourquoi avoir opté pour cette pop rock qui nous manquait un peu, quand même, en France, actuellement? C'est les premières choses qu'on a écoutées, c'est des choses dans ce genre-là, quoi. Enfin, le modèle, le grand modèle qu'on a, c'est REM. Au niveau musicalement, et puis aussi au niveau, niveau carrière, quoi. Ouais. Ils n'ont jamais fait de concession, et puis... Donc c'est quand même des gens respectables, quoi. Complètement. Et puis bon, c'est aussi parce que je pense qu'on ne serait pas capable de faire autre chose, tellement on a été bercé par ça, quoi. Alors moi, j'aimerais que vous me parliez très très vite d'une compile américaine qui est sortie ou qui va sortir chez Medidisc, distribution Medidisc, qui est sortie, où vous êtes le seul groupe français sur une compile américaine produite par monsieur Paul Collins, qu'on connaissait avec The Beat, son groupe. Comment ça s'est passé, cette affaire-là, en 20 secondes? C'est un ami à nous de Saint-Etienne, en fait, à qui on avait demandé de trouver des groupes en France, qui a envoyé une vingtaine de démos de groupes français, enfin de démos ou de CD, puis on a été retenus. Et donc, c'est une compi qui est faite à l'origine pour créer un espèce de réseau radio aux USA, donc, qui est produit par Rick Wagner et Kevin Hoppner, un gars de Chicago. Ouais. Et ils nous ont retenus, et puis voilà, donc on a envoyé ce qu'il fallait, on a été pris. Je me presse tout de suite parce que je voudrais vraiment écouter presque en entier, j'espère, un nouveau morceau des Twin Bees. Voilà, on arrive à la fin de l'année, dites donc, pour Tempo, parce qu'il n'y a pas d'émission le 26 décembre, nous serons un petit peu en vacances, et on se retrouvera uniquement le 2 janvier 1996. Alors, avec un petit peu d'avance, moi je vous souhaite un Noël comme ça, absolument fantastique, et on quitte, c'est bien, on va quitter l'année 95 avec les Twin Bees, ça pouvait être pire. Bonsoir.